Chers amis, bonjour. 28 novembre 2015, Porrest, Réunion. Alors voilà le parking des chariots cavaliers. Et il y a un chariot cavalier qui embarque son conteneur. Alors si on tourne un peu sur la droite, on voit là les portiques du Porrest, Réunion. Alors, il y en a trois en premier plan et trois à l'arrière-plan. Voilà, là on est au sud du Porrest, extrême sud. Rassemblement de containers. Alors le but du jour, ça va être de rejoindre ce Porrest où on se trouve actuellement, au port ouest. Pour aller voir le coucher de soleil. Voilà donc, on va quitter ce Porrest et se tourner vers l'ouest. Pour cela, il faut prendre cette route, c'est ce qu'on fait de ce pas. Andiamo. Voilà, on entame notre mouvement tournant en passant devant l'entrée du Porrest. Ici présente. Je suis du côté de la porte des étoiles, à travers laquelle je regarde notre étoile. Le miroir brisé d'Alice. Alors quand je me mets dans le miroir, c'est ce que je vois de l'entrée du Porrest. Et moi, c'est là que je vais, sur le littoral nord du port, qui s'en va là-bas. Pour aller voir le coucher de soleil donc. Allez, on y va de ce pas. Bye bye Porrest. Voilà, on longe le littoral nord. Il y a une petite animation. T'es rayonné, oh t'es gentil, regarde la télé comme un bon spectateur. Allez, voilà notre chemin pour les minutes qui viennent. On quitte donc la petite animation où ils font les répètes. Voilà, j'ai avancé de 300-400 mètres sur le parcours de santé du littoral nord du port Réunion. Et je vais continuer vers le sud par ici. Un petit regard sur la côte avec quelques pêcheurs. Ici aussi. Et on a une petite vue sur la route littorale là-bas au fond. Et le port ouest, port est qui s'éloigne. Voilà notre fanion qui nous attire. Voilà, j'ai encore avancé vers le sud. Ici, c'est l'usine de ciment Holcim qui vient de s'associer avec Lafarge. Enfin, ils ont changé leur sigle en ce moment. Notre Lumignon. Voilà, là, c'est SRPP. Le chemin qu'on va entamer par le bas, là, pour se retrouver vers le chemin bétonné au fond. Allons-y. Voilà, je me trouve à proximité du chemin bétonné que je vais suivre le long des tétrapodes par là derrière. On va justement prendre quelques tétrapodes dans le soleil couchant avec leur numéro. La CRPP de ce côté-ci et les cuves énormes. Dans le soleil couchant. Ne perdons pas les bonnes habitudes, un petit regard en arrière. Littoral nord. Au loin la route en corniche, devant quelques pêcheurs. Juste devant moi d'anciens tétrapodes usés par la houle de l'océan.
comme du sucre. Allez, à la poursuite du soleil, qui souvent disparaît derrière les nuages. Allons vite, on y va quand même. Diffraction de la lumière derrière les nuages. On va essayer de prendre le coucher de soleil de la pointe de la jetée nord, port ouest. Ce serait bien que le soleil passe par-dessous, là. Je viens de faire les 450 mètres du chemin bétonné. J'ai environ la même distance, mais pour un chemin plus... moins... Allez, on y va. Nous voilà dans le bassin du port ouest. Le soleil est en train d'émerger, là. Sous les des nuages, pas pour longtemps, car il va déjà toucher l'horizon. Il risque même d'être caché par certains nuages. Enfin, on en aura vu un bout quand même. Voilà, il est diffracté, collé à l'horizon. Spécial celui-là. Very special. Spécial, ouais. Coincé comme un hamburger entre deux tranches de pain. Dans quelques secondes, le haut va émerger des nuages et il va vite plonger derrière l'horizon. Voilà qui est presque fait. Alors là, il se couche vraiment entre les deux jetées. Hein. À gauche, la jetée sud, à droite, la jetée nord. Qui s'illumine en même temps, à gauche en vert et à droite en rouge. Voilà, dans quelques secondes, ce sera le rayon vert, au troisième top. Bip, bip, bip. Voilà, c'était le rayon vert, mais il était un peu biscornu. Hein. Le peu de reflets du soleil qui vient de se coucher, c'est un peu dans les nuages, là, mais il y en a très peu en fait. Voilà le bout de la jetée. Voilà ici, c'est l'ex-Lafarge qui a été racheté par Terralta. On va se dire à la revoyure, c'est la terminature de ce
vidéo crépuscule du 28 novembre 2015.